Salut à tous, c'est Armand Develi, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Briques en Vrac, un peu spécial comparé aux autres épisodes. Là on n'est pas sur du tactile, on n'est pas sur des vrais Lego. D'ailleurs mon bureau c'est n'importe quoi, j'ai plein de Lego, regardez, je peux vous montrer, j'ai des briques de Lego, voilà. J'ai plein de Lego sur mon bureau, mais aujourd'hui on est sur du virtuel grâce à un logiciel officiel de Lego que j'ai trouvé, qui s'appelle Lego Digital Designer. Alors, je vais vous présenter quelques trucs que j'ai fait aujourd'hui et je ferai d'autres vidéos avec le Digital Designer et vous comprendrez très vite. Alors, pour commencer, on va commencer par ma création, là où je suis le plus fier, parce que c'est la mieux réussie. J'en ferai d'autres, mais c'est la première, elle est très cool. C'est le potiron smile en Lego. Alors, il y a un manuel d'instruction qui sera disponible sur la chaîne après cette vidéo. Je sais pas combien de temps après, mais il y a une vidéo qui sortira très bientôt sur ma chaîne, qui est le logiciel, enfin le manuel de construction du Lego Potiron Smile. Donc je vous laisse le regarder. Il est très cool, je trouve. Il rend très bien en virtuel. Je sais pas, il rend comment en vrai, parce que j'ai pas pu le faire vu que j'ai pas assez de briques orange. Mais si vous pouvez le faire, faites-le via le manuel et ensuite, envoyez-moi un screen sur Discord et ce serait cool. Moi, je le trouve très sympathique, il est très mignon, voilà. Donc, c'est le seul que j'ai fait une notice pour le moment parce qu'il est extrêmement compliqué. Regardez, donc ça, c'est toutes les briques qu'il prend à faire. Bon, c'est pas le nombre exact parce qu'elles sont en double, mais ça, c'est toutes les briques qu'il vous faudra. Donc, regardez un peu. Et si vous avez ces briques-là, vous pouvez le refaire. Ce qui est cool, c'est que même si vous n'avez pas d'orange, vous pouvez le faire d'autres couleurs. Genre si vous avez du rouge, bah vous pouvez le faire en rouge. Du coup, vous pouvez avoir un des potirons élémentaires. Du coup, c'est sympathique. Après, faites-le si vous avez envie. Moi, j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire. Et j'ai hâte de voir si vous allez le faire. Parce que franchement, je le trouve pas mal. Il est assez cool. Bref, ensuite, je vais retourner au menu Home et je vais vous montrer une autre des créations que j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui. Ensuite, je voulais faire des sets Lego Club Pingouin. Du coup, je suis parti sur un prototype de mini-figurines. Enfin, c'est pas vraiment des mini-figurines, c'est un peu plus comme c'est des figurines, quoi. Des figurines Club Pingouin. Donc, on a les pingouins, ils sont là. Alors, je vais vous retirer le chapeau pour lui. Donc, voilà à quoi ressemble la figurine en soi. Et j'ai fait en sorte qu'elle se soit le plus customisable possible. Donc, vous pouvez lui mettre un chapeau. Hop. Les chapeaux qui sont dans le set, du coup, vu que c'est pas juste le chapeau où vous le posez, il faut aussi un petit, je crois que ça s'appelle un stud, mais il faut un petit rond de 1 transparent pour mettre le chapeau dessus, voilà. Ensuite, vous pouvez lui mettre un nez, donc vous pouvez lui mettre, attendez, je vais prendre une brique sur le côté, je sais plus où ils sont les petits ronds, non, ici, non, oui, voilà, vous pouvez lui mettre, par exemple, un nez de clown. Je ne sais pas. Voilà, la personnalisation, c'est infini. Attendez. Après, il y a aussi des trucs là. Vous pouvez lui mettre des trucs dans les mains. Du coup, les items, comment est-ce qu'ils seront fournis? Je pense qu'ils seront fournis avec un truc comme ça. Attendez, c'est pas celui-là. Voilà, un truc comme ça. Hop, de la couleur. Et par exemple, un billet et le billet de banque. Il est comme ça dedans. Je sais pas si on peut le mettre dedans. Mais voilà, vous avez compris. Et du coup, ça se met. Non, attendez, hop. Ça se met dans la main. Voilà, il se mettra dans la main comme ça. Hop. Voilà. Mais du coup, c'est pas mis sur les pingouins de base parce que je sais pas. Je pourrais le mettre sur les pingouins de base, mais je sais pas. Ça fait peut-être un peu bizarre d'avoir le grip comme ça. Et je préfère juste avoir ça là, c'est sympathique. Et genre mettre ça là avec les armes. Enfin, avec les armes, avec les trucs à mettre dans les mains. Mais après, est-ce que ça ferait pas un peu bizarre? Parce que du coup, faudrait mettre la couleur. Je sais pas trop, à voir. En tout cas, c'est des prototypes encore. Vous pouvez même limite changer les chaussures. Parce que ça, du coup, ça c'est une pièce en soi. Attendez, hop. Ça, voilà, vous avez... Donc ça, c'est la palme basique. Mais si vous voulez, vous pouvez genre prendre le seau. Et vous pouvez mettre bleu, voilà. Bleu ciel. Et du coup, vous pouvez lui mettre des chaussures bleu ciel comme ça. Genre, franchement, je trouve que niveau customisation, il y a pas mal à faire. Mais c'est, du coup, je le trouve plutôt sympathique, voilà. Il est mignon. Voilà. Et il y a aussi dans le dos, j'ai mis un truc. Comme ça, on peut lui mettre, si on veut. Je pourrais peut-être faire un build de jetpack. Et on peut lui mettre un jetpack dans le dos, par exemple. Ou ce genre de choses. Bref, pas mal de customisation. Je trouve ça sympathique. Et je trouve la figurine plutôt
stylé. Donc après, elle sera dans différentes couleurs et tout. Et ensuite, je vais vous montrer le premier set que j'ai fait Lego Club Pingouin. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, on a le premier set Lego Club Pingouin que j'ai fait qui est, vous l'avez sûrement deviné, le château de neige. Donc, on a les deux châteaux de neige, chacun de leur côté. Donc, il n'y a pas de notice faite pour le moment parce que bah, je ne l'ai pas fait. Mais il y aura peut-être une notice pour les pingouins s'ils vous plaisent. Mais voilà, donc on a le château rouge qui est assez facile à faire parce que du coup, c'est dans ce sens-là. Donc, il y avait un peu un plan, j'ai pu... pu m'inspirer, alors que l'autre côté, bah, je pouvais pas trop m'inspirer, du coup, vu que c'était, vu que on voyait pas l'intérieur, mais du coup, j'ai fait un truc un peu similaire. Et on a la tour de l'horloge, avec la cible où on peut tirer une boule de neige dedans, qui est, je sais pas, un peu trop basique, c'est pour ça que ce truc-là, je fais pas de plan, parce que je sais pas, il y a moyen d'améliorer, c'est un peu fade, mais voilà. Et du coup, on a un panneau aussi qui montre le centre-ville. Voilà, donc c'est une des flèches, même s'il n'y a pas la flèche. Mais logiquement, donc, ça devrait être imprimé dessus en mode comme les panneaux Lego Mario avec la flèche. Et du coup, on a les deux pingouins, le pingouin de l'équipe rouge, le pingouin de l'équipe bleue. Le pingouin de l'équipe rouge avec le chapeau de chantier, du coup, et le pingouin de l'équipe bleue avec la casquette rouge de base. Je sais pas si vous voyez de quelle casquette je veux parler. Mais bref, je trouve que le set est sympathique, mais il est pas assez peaufiné, genre je pourrais faire encore mieux, je pense. Mais ça, là, la tour, en fait, c'est ça qui me pose problème, alors que c'est un des éléments dont j'ai le plus... C'est un des éléments les plus importants, en fait. Mais voilà. Mais je trouve quand même que c'est sympathique. C'est sympathique, c'est sympathique. Bon, je vais voir si j'ai pas d'autres trucs à vous montrer, sinon j'arrêterai la vidéo là avec une outro. Alors, bah, c'est pas ouf, mais je vais vous montrer ça en dernier. Donc, c'est un prototype de Lego Pikmin avec un Pikmin rouge qui est en mode feuille, un Pikmin bleu en fleur et un Pikmin jaune en bourgeon. Alors, c'est pas ouf, mais c'est qu'un prototype et du coup, j'ai... penser à faire un premier set où on pourrait avoir du coup 3 Pikmin comme ça et un Bulborb, mais il faudrait que j'essaye de faire ça pour voir. Mais du coup, ça c'est un prototype de Pikmin, donc si vous avez des idées pour peut-être les modifier, ça peut être sympathique. En fait, c'est vraiment les Pikmin, je les ai fait comme ça parce que c'est parce que moi avant, quand je jouais au Lego plus fréquemment, parce que maintenant j'ai Lego Mario donc je joue plus au Lego, mais genre. Avant, quand je jouais au Lego dans ma salle de jeu, ce que je faisais, c'est que je prenais juste deux trucs comme ça, avec un truc vert au-dessus, et ça faisait un Pikmin, donc il y avait plein de couleurs de Pikmin différentes. Genre, attendez, je vais vous montrer, vu que je peux le faire, attendez, je vais vous montrer. Donc, hop, et j'en prenais un autre, et celui-là, je le mettais en vert. Voilà, attendez, en vert. Et voilà, ça c'est un Pikmin jaune feuille. Ça c'était un Pikmin jaune feuille. Après, je mettais ça en blanc, ça c'est un bourgeon. Et le dernier, je sais plus ce que je faisais, je sais plus comment je le faisais pour le jaune, mais la fleur du coup c'était jaune, mais pour le jaune je sais plus comment est-ce que je me débrouillais. Mais voilà, mais du coup c'était comme ça que je faisais, et du coup ça c'est un peu une référence à ça, du coup je les ai peaufinés avec un peu plus de feuilles, et genre on voit bien le rouge il a le nez, et le jaune il a les oreilles, et le bleu il a rien parce que bah c'est le bleu. Mais voilà, et je trouve quand même le concept sympathique, du coup à voir si ça vous intéresse, je pourrais essayer de faire un set... Lego Pikmin, mais voilà, c'est la base et j'ai rien d'autre de plus à dire. Donc, c'était une première vidéo sur Lego Digital Designer. Oubliez pas qu'il y a le mode d'emploi du Lego Potiron Smile qui arrive bientôt. Bref, en tout cas, c'était très cool à faire ces petits Lego là et je vais continuer à en faire, je pense, dessus. Et voilà. Donc, si vous avez des idées de trucs peut-être que je pourrais faire, n'hésitez pas. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez oublié, un like, un commentaire, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, il y a Insta, Twitter, Discord dans la description. Et on se retrouvera dans un prochain live, même si je ne peux plus en faire, ou dans une prochaine vidéo. C'était moi, et bye tout le monde!